Il est 4h16 dans le retour à Soir Radio X. Bonne fin d'après-midi. En lisant les journaux ce matin, moi, je suis tombé sur une phrase qui m'a fait un peu sursauter. Je me suis dit, Christy, qu'on l'a pas des fois. L'histoire de Jonathan Roy et de Patrick Roy, puis des remparts, puis des Saguenayens, puis de la chicane l'autre soir, puis de cette espèce de réaction de Moon qui a eu, oh mon Dieu, la violence, c'est donc dangereux, puis là, ça n'a pas de bon sens, puis le gouvernement qui veut faire une campagne, pas le gouvernement, mais en tout cas la ministre de l'Éducation et du Sport, Mme Courchesne. Monsieur Couillard aussi. Couillard. Les batailles cessent au hockey. Écoute, il faut que ça arrête, puis là, Mme Courchesne qui était prête à faire une campagne nationale, pan-canadienne, pour faire en sorte que ça arrête, puis espèce de moines là, qui sont allés à Montréal pour aller voir la police, parce que Claude Poirier leur a dit qu'il fallait aller voir la police. Avec ils ont fait des plaintes à la police. Hey, foutu. Puis il faut pas oublier le directeur des poursuites criminelles, le maître Louis Dionne, qui a demandé à la police de Saguenay d'enquêter aussi, de faire l'enquête criminelle. Bien sûr, au mépris d'un élément important, paraît-il, dans la loi qui dit que sur une patinoire de hockey, si y a des plaintes à être déposées, puis des accusations à être portées contre quelqu'un qui se bat contre un autre, faut qu'il y ait des blessures d'infliger. Puis il n'y en a pas eu. Le gardien de but, Bobby Nadeau, qui est peut-être secoué après ça. Puis bon, c'est bien plate, mais qu'est-ce que tu veux. Il saigne pas, là. Il a pas saigné ce soir-là. Puis il y a personne qui a saigné sur la patinoire. Donc, des accusations, il devrait pas y en avoir dans ce dossier-là. Bref, on pensait que ça allait s'éteindre assez rapidement. Et ce que je lisais dans le journal aujourd'hui, c'est Jean-François Dumas d'Influence Communication qui disait, regarde, c'est une des rares nouvelles qui a franchi le cap critique des 96 heures. Normalement, quand ça a fait 2-3 jours, une nouvelle, pas mal fini, là. Surtout que ça évolue plus. On a su très rapidement, c'était mardi qu'on a connu les sanctions, puis tout ça. Normalement, mardi, c'était fini, là. Peut-être mercredi matin, on en parle un peu, puis après ça, c'est terminé. On est rendu, quel jour aujourd'hui? Jeudi? Ouais. On est jeudi, puis encore tantôt, je me suis viré de bord, puis entre les nouvelles du gant en sein qui monte à LCN en loupe, il y avait encore les images de Jonathan Roy en train de tabasser le gardien de but qui a pas grouillé dans un poêle des Saguenayens de Chicoutimi. Ils montraient encore ça. Puis à RDI, ils l'ont montré aussi. Ça arrête plus, tabarouette. Drôle de réaction qu'on a eue comme tribu, dirait mon ami le Doc. Salut, Doc! Oui, bonjour, c'est ça. Salut. La tribu a bien fait ça cette semaine, hein, Doc? Non, il y a autre chose, messieurs. Je pense qu'on va, avoir l'avantage à s'interroger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça a franchi le cap des 96 heures de nouvelles d'actualité? Qu'est-ce qui est en train de se passer, messieurs? Il se passe de quoi de gros? Doc, je sens que vous allez nous le dire. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe? À quelle honneur? Comment vous expliquez ça, vous deux, qui êtes des journalistes, que cette nouvelle-là n'en finit plus? Écoute, il n'y a pas cassé un bras, là, puis il n'y a pas eu de blessure apparente. Même pas une ecchymose, rien. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? OK, moi, Doc, je vais vous donner ma réponse, puis ça va peut-être ressembler à vôtre, parce que les filles s'en sont emparées. Parce que t'as eu un traitement féminin à quelque chose qui concerne principalement des gars. Une game de hockey, ça se joue entre gars. Puis des gosses, des fois, ça règle le problème en se donnant des claques sur la gueule. Puis après ça, ils vont prendre une bière. Les filles comprennent pas ça. Alors, ça a pris cette proportion. Alors, écoute, Courchesne, là, c'est pas une fille, là, c'est une femme. Bon, les filles, femmes, là, on se comprend, Doc, là. Non, on n'est pas des enfants, là, on est dans les adultes. OK, bon. Alors, j'ai l'impression que, pour continuer dans le même sens que tu viens de mentionner, je me demande si ce n'est pas le reflet d'une guerre des sexes larvée pour le contrôle de la tribu. C'est-à-dire? Ben, écoute, qui va contrôler la tribu? Ça va être des attitudes et la pensée féminine ou l'attitude et pensée masculine? Ben, je dirais que. Alors là, on a une femme qui est ministre des Sports et des Loisirs. Et elle s'est fait aller les mamelons pas mal fort, puis elle va continuer. Alors, elle va se brosser les mamelons. Mais Philippe Couillard aussi, puis Jean Charest aussi. Ben oui, mais il est féminisé pour la forme. Ben oui, parce que ça paraît bien, puis une espèce de féminisé, là. Ben, c'est pas... Écoute, est-ce qu'on peut dire que Couillard est un homme? C'est une personne, Couillard, t'sais, qui a pratiqué la médecine. Est-ce que c'est un homme? Allez-y voir. C'est un gros mot, là. Pour vous, c'est pas un vrai homme. Ben non, est-ce que c'est... Je sais pas, je le connais pas. Je suis pas sûr que ça me tente de le connaître. Mais dans son discours, de ce que vous percevez de lui, c'est pas très masculin, c'est ça? Ben non, ben là, écoute, il se range du côté des mamelons, qu'est-ce que tu veux, il a le droit, là. Il a le droit d'aimer les mamelons.
puis il a le droit de se ranger du côté des mamelons. Là-dessus, d'ailleurs, c'est, je dirais que c'est un point qu'on partage, lui et moi. Mais de la penser comme les mamelons, c'est ça, là, c'est une autre affaire. Ah, voilà! Mmh. Voilà! Voilà! Et là, je ne sais pas s'ils pensent comme les mamelons, mais ils se rangent du côté des mamelons. Ouais, moi, quand je vois des gars commencer à aller dire, oh, la violence au hockey, il faut que ça arrête, puis, mon Dieu, les bagarres, c'est de la violence, bon, puis c'est un mauvais message pour les enfants. C'est quoi cette histoire-là? Tu sais, il faut bien comprendre, premièrement, qu'il y a la raison pour laquelle se prolonge la nouvelle, c'est un reflet, finalement, on vient de cristalliser une guerre larvée entre les sexes, les hommes et les femmes, pour le contrôle de la tribu. OK? Bon, pour les attitudes prévalentes, quelles attitudes qui vont prévaloir dans notre société? Des attitudes féminines ou masculines? C'est déjà féminin depuis un bout, là, surtout dans les médias. Merci. Il y en a quelques-uns qui vont commencer à allumer, là. Tu sais, on vit dans un matriarcat. J'espère qu'il y en a une couple qui vont commencer à s'en rendre compte. Le matriarcat était officieux. Maintenant, il devient officiel. Ben, soyez quelqu'un à le voir avec moi, sinon je vais me sentir tout seul dans le champ, là. Tu sais, venez me rejoindre quelques-uns. Deuxièmement, c'est quoi l'histoire du hockey, des batailles? Les batailles, là, puis là, OK, c'est un espace que se sont donnés les hommes, OK? C'est un espace que se sont donnés les hommes pour s'exprimer à leur façon. Alors, les mamelons, pourriez-vous vous tenir en périphérie, s'il vous plaît? On vous demande pas grand-chose, mais pourriez-vous vous tasser? Ou qu'ils se fassent des ligues pour elles. Hey, oui, branchez-vous les mamelons de vous autres. On n'a pas de problème avec ça. Comprends-tu? Mais pourriez-vous décrisser de l'espace masculin? Alors, les Romains s'étaient donné un arène où ils se tapaient sa gueule, puis le peuple aimait bien ça, puis il allait rire, puis il avait bien du fun. OK? On n'est encore pas loin de ça. Ça s'appelle un aréna. Convenons que le mot est pas loin, l'arène. Mm-hmm. Mais on faisait pas battre des femmes à Rome, on faisait battre des hommes. Ça amusait beaucoup d'hommes et quelques femmes. Bon. Là, les tavernes ont été, les mamelons se sont fait aller, on a fermé les tavernes. C'était un autre espace masculin, c'était inacceptable, puis je sais pas, nous sûrement compte, là, mais c'est l'histoire du Québec, c'est notre histoire. On s'est gardé des espaces d'activité physique, d'activité sportive, comme la boxe, le football, le hockey, où on peut se taper pas mal fort, à des degrés différents. Bon. Et la loi de Lord Delaine doesn't apply. La loi du pays ne s'applique pas dans ces espaces masculins-là. On s'est dit, il n'y aura pas, la loi habituelle ne s'appliquera pas dans certains espaces. Ce sont les ligues elles-mêmes qui vont se donner des règles, puis ils s'approchent à la gueule, puis écoute, ils verront entre eux autres. Et là, veux-tu pas que Michel Courchesne s'agite? OK? Elle comprend pas. Il faudrait que quelqu'un la prenne par le bras et dise, viens ici, là, je vais t'expliquer. Ça, c'est un espace masculin où ce sont des ligues qui, entre eux autres, définissent leurs règles. Pas tes menstruations, leurs règles. Tu sais? Et maintenant, écoutez, si comme société, vous dites, il n'y en aura plus d'espace masculin comme ça, je n'ai pas de problème. Mais ce que je vous dis cet après-midi, c'est essayer de voir la réalité comme elle est. Une guerre des sexes larvée, indéniablement, un espace masculin à conserver ou à proscrire. Non, bien sûr. C'est pas les batailles, là. Arrêtez d'être innocent. Non, on parle d'un espace masculin, bien sûr, à conserver. Il en reste plus, tabarouette. Ben, c'est le seul, là. Il y avait été à l'air, il y avait ça. Il n'aura plus, là, les clubs privés. Il peut coûter. Non. Dès qu'il y a un club privé d'hommes en quelque part, toc, 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 à la porte, les mamelons se présentent, puis hey, moi, j'entre discrimination. Bon, OK, c'est correct. Tu sais? Mais on dirait, Doc, que même les gars eux-mêmes n'en veulent plus d'espace masculin. Je m'explique. J'ai défendu Jonathan Roy depuis le début de la semaine. Il y a des gars qui m'ont écrit pour dire que j'avais pas d'allure quand je disais que c'était pas si grave, qu'on avait vu bien pire sur des glaces de hockey, de toute façon. Non, c'est pas moins pire ou pire. Quand deux boxeurs se tapent sa gueule, puis il y en a un qui sort sans connaissance, c'est pire que ce qu'on a vu à la télévision. C'est sûr. Pas mal pire. Oui. Il y a eu des morts en boxe. Ben oui. Puis ensuite, il y a toutes les... Écoute, j'ai rencontré Cassius Clay à New York dans un ascenseur et on a dit qu'il faisait du Parkinson. Ce gars-là n'a jamais fait du Parkinson. Ce gars-là avait le punch drunk syndrome. C'est un syndrome cérébral avec des pétéchies multiples. Des petits vaisseaux sanguins qui ont éclaté partout. Okay. À un moment donné, il vient à moitié gaga. Ah, et puis bon, il tremble, il est plus capable de parler. Il tremble, c'est ça. Il est à moitié gaga, il est à moitié pas là. Il fait des sourires, puis il se promène. OK? Alors, c'est ça le problème de fond. Est-ce qu'on tolère, est-ce qu'on accepte comme société globale, hommes et femmes,
qu'il y ait des espaces masculins où les hommes entre eux vont réguler ou réglementer leur propre violence, leurs propres instincts, leurs propres pulsions agressives, sans que les mamelons interviennent. Puis c'est ça la question. Alors, c'est un débat, oui, c'est un débat de société. Mais... Alors, c'est pour ça que c'est gros. Mais vous, il y a deux dimensions. Il y a une guerre larvée, puis ensuite, il y a un débat de société sur, à savoir, est-ce qu'on se garde ces espaces-là? Si on se pose la question, c'est clair que Jérôme, enfin, je ne peux pas parler pour Jérôme, mais je suis convaincu de sa réponse, c'est que oui, il faut garder des espaces masculins, quels qu'ils soient. Et c'est vrai que c'est tough en tabarnouche. Ben quand là, vous parliez de Christ... Il y a une série de gonzesses qui vont venir te dire, ben là, pourquoi? Pourquoi avoir des espaces masculins? Tu justifies ça comment, toi? Moi, je trouve ça l'exclusion simple, honnêtement. L'exclusion des femmes dans plusieurs activités? Je pense qu'il est essentiel, moi, que les gars restent des gars, puis que les filles soient des filles. Soyez les meilleures filles que vous pouvez être, tant mieux pour vous autres. On va s'arranger pour rester des gars, nous autres, si ça vous dérange pas trop, avant qu'on finisse tous par être une espèce de même, dans la même soupe, puis qu'on soit plus capable de différencier qui est qui, là. Puis qu'on continue de voir des images comme ce qui roule l'après-midi à la TV, des gars enceintes à barouette. Va-tu arrêter à un moment donné? Des gars, hein? Vous avez pas vu ça, Doc? Il y a un gars, en fait, c'est une fille. Transsexuelle. Non, attends un peu, j'ai pas entendu le mot des gars, hein? Enceintes. C'est une fille qui... Des gars engrossés? Oui. J'essaie de vous expliquer, là. Regarde, oui? Le cœur me lève, je dis pensez, ils mettent les images à la TV en plus. Il y a du monde qui mange. La fille voulait devenir gars. Elle a fait le traitement hormonal, perdu des seins, la barbe a poussé, puis tout ça, très masculin, proéminent. Rencontre une autre fille, se met en couple. Ils veulent avoir un bébé, l'autre fille n'est pas capable d'en avoir, alors celle qui est devenue gars par les traitements hormonaux a arrêté de prendre ses traitements, s'est faite inséminer, tombée enceinte. Mais l'image d'un gars et la bédaine d'une fille enceinte. Ah ok, c'est parce qu'il y a de la barbe qui a poussé, avec la testostérone, il y a du poil qui a poussé, exact. Là il est engrossé. Exactement. Okay. C'est une problématique à part. Mais je comprends la symbolique. Toi, tu prends cette image-là. Je parle de l'image, là. T'sais, ça va-tu être ça bientôt, l'homme enceint, là? C'est ça que les filles veulent finir par avoir. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on garde des espaces masculins, puis qu'il y ait des espaces. Mais des affaires de filles, moi, qui m'intéressent pas partout, puis qui m'intéresseront jamais. OK? Les affaires de gars qui devraient continuer de nous appartenir, et particulièrement les sports de contact. C'est le fun que t'amènes, puis c'est là qu'est le débat. Est-ce qu'il y a nécessité dans la tribu québécoise d'espaces masculins régulés, réglementé, régi par des hommes, sans qu'il y ait de femmes autour de ça? Et moi, ma réponse, c'est oui. Le débat est là. Ma réponse, alors qu'on laisse les rois tranquilles, là, s'il vous plaît. Qu'on laisse les rois tranquilles parce que ils sont accessoires et nous les utilisons. Maintenant, le vrai débat, c'est le contrôle de la société par les hommes ou par les femmes. OK? C'est ça qui se passe, là. Je te dis pas que c'est souhaitable que ce soit un ou l'autre qui gagne. Non, mais c'est clair que... Et c'est ça. Et de la façon dont vous l'avez amené, Doc, c'est clair. Essayons de voir un petit peu les enjeux. Tu sais, ça nous fera pas mal de voir les choses comme elles sont. Au lieu de traiter Mayou de raciste et de misogyne, essayez donc de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Parce que t'amènes des questions extrêmement pertinentes. Tu pars d'une observation, tu dis, patin, ça n'a pas d'allure. Ça fait 96 heures qu'on parle de Jonathan Roy. Pourquoi parle-t-on de Jonathan Roy pendant 96 heures? Comprends-tu? Ça devient intéressant comme question. Si vous n'êtes pas content de mes réponses, posez-vous la question, mais posez-vous là la maudite question, par exemple. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la réponse de Mayou, mais vous ne pouvez pas ne pas vous poser la question. Bravo, en quel honneur, baptême! Que ça roule sans arrêt! Ben, dans les médias, êtes-vous d'accord pour dire que les filles l'ont gagné la guerre des sexes, que les femmes l'ont gagné la guerre des sexes? Depuis quelques années, c'est assez évident. Dans les salles de nouvelles, il y a quasiment juste des filles. Là, la guerre des sexes, là, je dois dire qu'elle va bien en calvaire pour les femmes, là. Ouais. Parce que, écoute, en médecine, le deux tiers des médecins de moins de 40 ans sont des femmes. Vous êtes rendu à 66-68%, et ça va augmenter jusqu'à 75%. Parce que là, ça fait des années qu'à l'Université Laval, Montréal, principalement, 80% des admissions, des personnes admises pour faire leur cours de médecine, c'était des femmes. Bon, si tu prends le droit matrimonial à Sherbrooke, c'est quasi féminin mur à mur. Là, il y a des domaines, elles se sont appropriées des domaines. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Ça devient discutable. Mayou prétend que la médecine, lorsqu'elle sera bien féminisée, sera une médecine très inférieure.
à l'instar de celle pratiquée en Russie. À ce point-là? Calvaire, en quel honneur que les femmes québécoises feraient une meilleure médecine que les femmes russes? Expliquez-moi ça, vous autres. Elle est comment, la médecine russe? Décrivez-nous ça, vous avez l'air à tout quoi. Inférieure à l'os. Sur la qualité des soins? Vierge. Mm-hmm. J'en doute pas, là. Sur tout. Est-ce que les femmes ont pris le contrôle de la médecine en Russie? Oui, 85 % des médecins russes sont femmes. Ben oui, puis et des la femmes... La médecine est féminine en Russie, ouais. Et c'est une médecine qui vaut pas cher la livre. Bon, alors, c'est une médecine de dispensaire. Ben, et donc, moi, je me souviens, je t'ai déjà entendu là-dessus, on se parlait souvent régulièrement avant. Ton point, c'est que des filles vont, évidemment, à un moment donné, avoir des enfants, vont accorder plus d'importance, et donc vont donner moins de temps qu'un gars à leur profession. Et puis, en bout de ligne, ben, c'est le malade qui en souffre. Au Québec, à l'heure actuelle, les femmes médecins gagnent, chargent 30 % de moins à la RAMQ que les hommes. Parce qu'elles travaillent moins. C'est ça. Oui, c'est le même tarif. Exact. Non, regarde la réponse. Pour une fois, les maudites lamenteuses ne pourront pas venir se lamenter. Et, je vous dis, l'histoire des bébés, là, oubliez ça, hein. Oubliez l'histoire, l'excuse des bébés, là. Ils ont des enfants. Non. Les femmes médecins, c'est le plus grand bébé, ça, là. Puis quand ils ont un bébé, ils dorment dans une garderie à 3 mois. Parce que, pas parce qu'ils veulent, ils ont hâte de retourner travailler, parce qu'écoute, ça ne le tente pas d'élever ça, cette espèce de morveux puis de fieux-là. Bon, alors pourquoi elles travaillent moins? Pardon? Alors pourquoi elles travaillent moins à ce moment-là? Capacité physique? Bon, il y a des domaines où elles ne vont pas. Alors, la raison pour laquelle vous allez colisser le Québec en crise médicale, là, de soins de santé, dispensation de soins de santé, là, c'est qu'il y a des domaines de la médecine où elles ne vont pas. Urgence, chirurgie générale, c'est pas si pire. Chirurgie orthopédique, chirurgie cardiaque. Tu sais, il y a des domaines là, très pointus où elles ne vont pas. Le stress? On va avoir du trouble, les amis et les copains. Mais si vous allez être obligé d'aller vous chercher des Cubains avec ce que ça vaut. Oui, mais donc, attends un peu, là. La question de Jérôme est bonne. Elles ne vont pas là parce que c'est des domaines qui sont plus stressants. C'est pas pourquoi? C'est deux choses, force physique et stress. La force physique, il y est pour quelque chose, puis il faut pas le nier, ça. En chirurgie orthopédique, là, ça prend un homme pour faire ça. Oh, yeah. Hey, boy! Oh, yeah, mon frère s'est cassé une jambe avant-hier, m'a raconté un fait pour y retwister ça. Pas des mains de filles qui vont être capables, là. À 275 livres, 6 pieds 1, là, pas sûr qu'ils vont être capables de twister ça sous le sens du monde. Moi, ça prend un orthopédiste. Mais il y a des femmes masculines un peu aussi, ça existe aussi. Oui, mais avec des gros bras de même, là, excuse-moi, Jérôme. Il y a toujours des exceptions. On parle de généralité. On parle de moyenne de groupe. Non, je comprends. OK? Ouais. Moyenne de groupe. Ouais. Alors, au niveau des urgences, tolérance au stress. Alors, la nature a voulu que les femmes ne sont pas capables, comme groupe. Vous allez toujours aller me chercher une femme exceptionnelle. Bien là, sûr. Et j'en connais. Puis, de Sainte-Foy. Et j'en connais, puis vous en connaissez, oui. C'est clair. Là, bon. Oui, j'en connais deux. Moi, j'en ai connu deux, femmes médecins. Et une des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas, elles ne sont pas faites travailler dans les urgences, c'est de prendre des décisions aux 3-4 minutes ou 10 minutes. Et ça marche pas. La plupart, c'est moi qui étais le rescapeur à Sainte-Marie, à Trois-Rivières, et généralement, c'est après 2 semaines, ben, ils venaient pleurer dans mon bureau. Ils n'en pouvaient plus. Et la principale raison, c'est simplement de prendre des décisions à répétition, rapidement, et d'assumer. Doc, excusez-moi, c'est juste ma petite curiosité personnelle. Vous étiez le rescapeur? Oui. C'est quoi ça? Parce que j'étais psychiatre à Sainte-Marie, puis après quelques semaines, ben, je faisais des consultations à l'urgence. Fait qu'à tout bout de champ, ben là, il y avait des femmes qui commençaient à pratiquer comme médecin à l'urgence. OK. Et puis, ben là, elle venait dans mon bureau, elle venait me rencontrer. Mais c'est pas le que j'avais une face pour un misogyne, j'avais une face accueillante. Là, elle venait, ça soyait, puis là, ça fondait en larmes. Mais c'est pas... Le misogyne que je suis, alors, il y a seulement moi qui est au courant de ça. Moi, les filles que je connais, Doc, puis qui vous écoutent depuis des années, ben, bon, qui vous entendent à peu près juste ici maintenant, là, mais qui vous écoutaient depuis des années, j'ai jamais entendu dire qu'ils vous trouvaient misogyne tant que ça. Oh, mais je me suis fait dire un mot. Oh, non, ça, je sais, mais regarde. C'est probablement nos bons féminisés. Hey, Doc, le temps file. On va s'arrêter là-dessus. Conversation très intéressante. On va se repogner un autre tantôt, OK? OK. Salut, Doc. Bye, bye. Salut. Doc Mayou. Il est 4h36. Tu as vu l'email de Steve qui nous écrit, en faisant référence au propos du Doc sur les espaces réservés aux hommes. Ouais. Il dit, c'est épeurant de voir que les seuls spots 100% masculins qui restent, c'est les bars gays puis les saunas. Maudit que t'as raison, Steve. Puis encore, Jérôme.
Puis encore. Rappelle-toi de la fille qui est allée dans un bar gay à Montréal. Il y a un gay qui est allé la voir et qui dit, t'as pas d'affaire ici, toi, c'est une affaire de gars. Mm-hmm. Puis elle a porté plainte. Mm-hmm. Vierge! Un bar gay! Il reste plus rien que les saunas. En tout cas, tu iras puis tu nous contre ça, Jérôme. Ben oui. Il est 4h36. On revient à choix. Le show du matin avec...